Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et sur le tout nouveau Farming Simulator 22. Donc on va lancer une petite série. On va commencer en facile, on va commencer en simple et on va se mettre la petite map française. Après tant d'attentes, le voilà enfin. Alors. Non, ça c'est les filles. Ça ne nous intéresse pas. Bon, on va faire la coupe de base. Et c'est quoi? Wow. Ça. Ça. Couleur. Ouais, comme ça. Petite moustache. La petite tenue. On va la faire nous-mêmes. Oh, pas mal. Un t-shirt, non, en pull. Ouais. Un petit pull. On va pas faire du sport non plus, hein. Un petit pantalon de chantier, tiens. Mettre en quoi? En bleu, noir. Bon, le mettre en noir. Des petites chaussures de sécu. La petite casquette de paysan. Ah. Laquelle on met? Oh, on va regarder celle-là. Les petits gants de travail. Les lunettes, on s'en fout. Non. Alors. Petit tour. Garage. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule? Un petit tracteur Steyr. Un Valtra. Un Massey Ferguson. Poissonneuse la Deutz. Bon, lui, on va le vendre. On n'a pas besoin pour l'instant. La remorque, c'est pareil. On va la vendre. J'aime pas trop cela. À part de coupe. Cultivateur. Ok, c'est moi. Oui, bah ça, basique. Ok. Niveau champ. Alors déjà, on est où? Oui, on est là. Qu'est-ce qu'on a en champ? On a le 40, le 41, le 38. Alors, 40 et 38 en blé. Alors, prêt pour la récolte. Lui, il a été travaillé, récolté. Ok. On va mettre le temps en x15. Donc là on est en mode j'ai laissé en mode saison. Je vais mettre 200 ça. Là on est parti pour le tout premier épisode d'une très longue série. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Notre petit silo. Là, c'est quoi? Déjà là, on a notre silo en silage. Notre maison. La citerne à flotte. Le petit stair. 81-50 turbo. Notre petite benne. Mais celle-là, on va la changer. La grange. Mettre tout ce qui est de la paille hachée et tout. Ok. Et on commence sans animaux. Ouais. On n'a pas d'animaux. Déjà. Le véhicule, on va le vendre. J'ai pas besoin de 4x4 pour l'instant. Le pick-up. Le pick-up, lui, hop.
contre, le magasin est où? Magasin. Oui, le magasin. Là. Il est où? Ah non, je peux pas le voir comme ça, c'est vrai. Donc, magasin. Ah, oh, bon, ça va y aller. Ok. Donc, le pick-up. Nouvelle fonctionnalité. Le top. Allez, démarrer. Et voilà. Au revoir, petit pick-up. Va-t'en. Bon, on va commencer la moisson. Donc là, on est en mode saison. Donc mode saison. Ouais, bon, on arrive en fin de saison. On va pas pouvoir planter grand-chose. Est-ce qu'on a un pré, par contre? J'espère qu'on commence pas avec un pré, quoi. Non, c'est bon. Et après, au fur et à mesure, on changera un peu nos équipements pour prendre des équipements un peu mieux. Donc là, pareil, je suis en volant joystick, plus quelques touches sur le clavier et la souris. Il est déjà arrivé. Non. Ah bah si. Bon, ça va être là. Hein. Tac, 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 tac. Vendeur. 40 000, oh, pas mal. Toujours ça de gagner. Oui, j'y arrive. Ah, on va faire le tour. Et on va mettre un ouvrier. Voir comment il se débrouille. S'il y a eu du changement comparé au 19 qui n'était pas terrible non plus. Ah, en fait, c'est un petit champ que j'ai. C'est l'autre, c'est un autre champ. D'accord. Alors qu'on achète une petite. Petite presse. Et cela, on va les faire en ballot. Et d'ailleurs, si on a un. Ah, quoique. Je sais pas si on peut. Je crois qu'on peut stocker de la paille dans le. Dans le hangar. Dans la grange, je veux dire. Au pire, pour l'instant. Est-ce que après, si je. Si on va la mettre dans la. On va voir. On va voir le moins cher. Ça vaut plus le coup d'acheter une presse ou alors. D'acheter une chargeuse. Là, pendant que l'ouvrier va faire ça, nous on va aller voir pour peut-être vendre silo en silage. Avec moi je fais bah, tout seul, je fais pas trop en silage. Je fais beaucoup dans Rubané. Donc pour l'instant on va pas en avoir besoin, je pense qu'on va le vendre. Le silo on va le garder. Bah, on va garder tout le reste à part peut-être s'il vend quelques tracteurs. On n'a pas besoin d'autant de tracteurs. On va garder le petit Valtra je pense. Et puis bah, le plus puissant à côté. On va en garder deux. Ça va être un gain de temps. On va pouvoir aller plus vite. On peut mettre un ouvrier à travailler sur un autre champ. Sachant que normalement, les ouvriers travaillent très très bien maintenant. On va vite le savoir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et à laisser des commentaires sur qu'est-ce que vous voulez voir
sachant qu'il vient de sortir. Vous voulez que je vous montre quelques petites choses? Monsieur l'ouvrier. Alors, est-ce qu'on peut juste mettre l'ouvrier? Ouais, on peut mettre l'ouvrier comme ça, directement. Je sais pas, attends, on va se décaler si je suis pas droit. On ne sait jamais. Bon, là, on est OK. Alors, le steer, il fait combien de chevaux? Combien? Je ne sais pas, si 135. Le Valtra, lui, on le garde forcément. Et donc 135. Ah, celui-là déjà, il fait mieux. 190, c'est 160. Ah, le Valtra est le plus puissant. Mais ce serait pas mal d'en avoir un avec une chargeuse avant. Et c'est le. Alors, MF3670. C'est en moyen. Est-ce qu'il fait chargeuse avant de base? Oui. Donc on peut garder celui-là. Et en Valtra, c'est le Valmette qu'on a. Et il fait aussi chargeuse avant. Donc. Oh. Oh, il est tellement beau. Oh. Oh. Bien sûr, après on changera de marque. Hein. Moi, je suis un très très grand fan de classe. Et de Fendt. Aussi. Ils ont des beaux véhicules. C'est quoi ça? Ah, c'est pour le raisin. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, il y a plein de cultures. T'en sors bien, toi? Oui, ça a l'air. Alors, toi, on te garde. Toi, on te garde. Toi, on te vend. Et on va vendre la benne avec. Y compris. Les petits gyrophares. Ouais, par contre, ce magasin. Le magasin est où? Le magasin. Moi, je suis là. Ok. Là, on va commencer gentiment. Forcément, on n'a pas trop d'argent. Pour l'instant, ça va. On a 140 000. On a pas énormément d'achats à faire. On va essayer de mettre en marche. Je vais avoir du blé. Faut être intéressant de mettre des poules. Il y a pas trop de choses à voir. Il y a tellement de nouveautés entre les poules. Il y a des abeilles aussi. Il y a pas mal de choses à voir. Donc nous, hop, on va vendre tout ça. Voilà. Hop. Oh, 76 000, pas mal. 12 000, ça va aussi. Voilà. On a gardé deux tracteurs. Maintenant, il nous faut une benne. Donc on va pas prendre celle-là. Ah, elle est chère. Ah oui. 12-1, bah autant prendre la classe. Hein. Par contre, on va pas prendre l'extension de la pose hein, pour l'instant. Ouais. Pneu Michelin. Pneu large. Oh, plus 1000 balles. Est-ce vraiment nécessaire pour le début? On va pas les prendre, on va juste mettre les pneus Michelin. La petite plaque. Oh. Ah. Oh, c'est pas cool ça. Comment je fais pour revenir en arrière? Je sais pas. Mince. Comment je fais? Je vais pas revenir en arrière. Oh, bonsoir, on va laisser tomber. Et du coup, ça coûte 17 500. Bon, ça va. On n'est pas trop mal.
Donc ça, j'ai acheté. Lui, il travaille tout. Et lui aussi, c'est ça qu'il nous fallait aussi. C'est le prix d'une chargeuse et d'une presse. Chargeuse, ils sont où? Là, ok. Classe 1, c'est un petit peu cher hein, pour le début. Sachant que là, il fait combien là? 16 mètres cubes. Pour 30 000 euros. Ah ouais. La presse. Ouais, mais non, pas ça. C'est des mini ballons, ça, non? Ouais, c'est. Pour faire des mini ballons. 48 000, ouais. Vaut mieux qu'on la jette. Et après, le problème, c'est que la paille, qu'est-ce que je vais en faire? Ou est-ce qu'on n'irait pas la vendre directement? Parce que là, je sais pas. Je veux pas savoir. Attends, négociant bétail, garde-robe, terrain, construction. Je peux pas voir le. Comment je sais ce qu'on peut mettre dedans, moi? Attends. Est-ce qu'on peut mettre de la paille au moins dedans? Ah, mais le silo est vide, mais comment je sais pour savoir ce que je mets dedans, moi? T'es marrant, toi. Je peux pas savoir. Comment faire? Ça c'est ce que j'ai. Non. Ça c'est ce que j'ai. Mais on peut pas voir les bâtiments qu'on a dedans. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Neige. Animaux, ça on s'en fout. On s'en fout un peu de tout ça en fait. Hein. On s'en fout de tout ça. Mais comment je sais Je sais pas du tout. Là, je peux pas stocker. Prendre, c'est bête parce qu'avant il mettait ce qu'on pouvait mettre dedans. Et maintenant, construction. À moins que j'ai loupé et que j'ai pas vu. Hein. Eh mais qu'est-ce que je peux mettre moi là-dedans? C'est ça le truc. Il n'y a pas un. Je peux pas savoir. Je sais pas si on peut mettre de la paille dedans. Il me semble qu'on peut en mettre. Hein. Bon, ben. Bon, lui, il a toujours pas fini. Il va peut-être pas tarder à être plein, donc on va aller chercher. On va se prendre notre petite Valtra. Et on va aller chercher la benne. J'avais dit que. Allez, du coup, c'est par où? Par là. Hop! Oh, les changements de vitesse, c'est impressionnant. Le bruit que ça fait. Comme ça, on va le renlever. Hop. Ça fait plus joli comme ça. Donc là, on va aller chercher notre petite benne. On vide la moissonneuse. On revient. On revient, non. On s'occupe de voir. Et si on peut avoir des poules? Il faut qu'on regarde le prix des poules. Bah des œufs. Je sais qu'il y a plusieurs types de d'animaux maintenant. Tu peux les acheter jeunes, adultes. Après les poules, il n'y a pas 50 sortes. Hein. Il y a des poules et un coq. C'est juste l'âge qui va changer normalement.
Personne, capitaine? On peut y aller? En route? En route. Ouais, il était temps qu'il arrive quand même, ce fameux farming. Ça fait du bien. Donc, s'il va falloir du coup qu'on achète quand même une chargeuse. Et on ira vendre la paille hachée comme ça directement. C'est pour le moment, on va pas en avoir l'utilité. C'est déjà, j'ai pas de bâtiment pour le stocker, premièrement. Donc ça serait plus intelligent d'installer ça avant. Oh bah il est plein, comme quoi. Si, moi c'est ça que je voulais faire. Non, 3 jours. Au moins 3 jours. Moi ça je sais pas si c'est. Destruction et culture, non, on va enlever par contre. Labourage périodique, poinçon on va pas le mettre. Pierre, oui. Chaud, oui. Mauvaise herbe, oui. Ça est sûr. Oh, standard. Oui, freinage, oui. Limite, ça je sais pas si c'est. Par défaut. Non, non, non. Non, 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 non. Ça, je veux pas. On va les vider. Je sais pas du coup si on peut envoyer un tracteur à vider directement la moissonneuse. Là, on va pas jouer très réaliste là par contre. Hein. Par contre, la petite benne classe. Elle est vraiment belle. Ah ouais, par contre, c'est abusé. Ouais, non, ça va. Tu te rapproches, les reins, t'as l'impression qu'ils sont immenses. Mais non, ça va en fait. Ah, il y en a autant que ça. Bon, on en met beaucoup dans la moissonneuse quand même. Oh. Ah bah enfin. Ah ouais, 8500 quand même. C'est pas mal. Hein. Donc là, on va placer un petit poulailler, je pense. Ça va, on a un petit peu d'argent, donc on peut se permettre de mettre un petit poulailler pour avoir un peu d'œuf. Les bruits. Oh, stylé. Ils ont vraiment tout changé, c'est top. Hein. Par contre, animaux, c'est où? À moins que ce soit là. Ouais. Vous n'avez pas de pâturage ou de grange pour les animaux placés d'abord? Ben. Hein? On est obligé d'avoir. Ah, la ferme, elle est à moi au moins. Attends. Ah oui, la ferme elle est à moi. Pourquoi je n'ai pas le droit de mettre d'animaux? C'est quoi le problème? Non, on peut pas. Juste mettre un poulailler, moi. C'est quoi ça? Ah, c'est pour les cotons, le coton. Mais comment ça, je peux pas mettre. Vous n'avez pas de pâturage ou de grange pour les animaux? J'ai une grange. Placer d'abord une grange pour pouvoir acheter des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Ok, d'accord. Oui, les petites abeilles là. Wow. Ah ouais. Nous, on va prendre un petit poulailler. Ah, il n'y en a que deux par contre. Là on met que 30 poules. Il coûte combien? 6000. Oh les... Attends, on va mettre ça. Je sais pas qu'on pourrait mettre ça. Si on met ça. Le poulailler, c'est vrai que c'est. Oh, dans le milieu là, non? Attendez. Comment on fait pour tourner par contre? Tourner, mince.
Oh, dommage, c'est trop large. Non, ça va pas faire. Bon, on va le mettre. Peut-être pas là, ça peut gêner avec le ciseau, on va le mettre là. On va essayer de s'aligner. Là, on n'est pas aligné du tout. Là, on se met là. Oh, ça m'a sali mon sol. Allons voir notre poulailler. Par contre, au quoi? Ah ouais, c'est vraiment. D'accord, c'est des poteaux, un grillage, puis bah, et puis basta quoi. C'est tout. Alors du coup, maintenant, ah, je peux. Donc là, c'est des reproductions à l'âge de 2 mois. Bon, ça va venir assez vite. Âge 6 mois, reproduction. Ah et donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va peut-être prendre des poules, mais aussi il nous faut des coqs. C'est des œufs, mais il nous faut un coq pour les reproduire. Alors combien qu'on en prend? Mais attends, les œufs ils spawnent où là? Au juste. Par contre. Ah là. Ouais, les œufs vont spawn là. Donc là on a du blé, donc ça va. On commence avec combien de poules? Une petite poulette. Ah non, on va pas en acheter 30, mais. Problème. On fait 20 poules. 25 poules. Non, 20 poules. 5 coqs. Ça peut être correct. Ou alors 25 poules et 5 coqs. Mais là, on sera max déjà dans le poulailler. Après, ça coûte pas cher. Ouais, on va faire ça. Donc 5 poules. Ok. Et du coup, 5 coqs. Voilà. Alors, ils ont changé ou pas? Ouais, t'es court. Par contre, qu'est-ce qu'elles sont belles! Waouh! Elles sont magnifiques. Eh, hey, gratte! Je sais pas s'ils faisaient ça. Si, ils ont tout changé, hein. Eh, hey, court! Ça, ils faisaient pas ça dans le 19. Hein. J'ai pas le souvenir. Oh merde, je suis bloqué, moi, du coup. J'ai pas mis la touche pour sauter en plus. Ah si, c'est bon, espace. Hop là. Et on est reparti avec notre petit Valtry, notre petite Ben classe. Et notre ouvrier qui a fini son champ quasiment. Et honnêtement, il n'y a pas d'oubli. Par contre, les traces de pneus, c'est abusé. Ça tenait pas. Il partait au bout d'un moment sur la 19. Que là, maintenant, il. Ah non, avance, avance, il faut pas qu'il parte. Attends, 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 attends. S'il te plaît, bouge pas. Voilà. Ça, on va pouvoir lui donner un peu d'œufs, de blé à nos poules. Et d'ailleurs, il faut que des poules, que du blé, ou pas? Productivité œuf 0, ok. Reproduction âge inférieur 6 mois, bah, pour l'instant ils ont 0 mois. Donc on n'aura pas d'œuf maintenant. Le temps va faire les. Oh! Attends, j'ai encore pas vu ça moi. Reviens là petit. Eh bah tais-toi toi. Attends, je les ai encore pas vus moi. Ouais, je cours plus vite que moi. Abusé. Mais par contre, vas-y, je vais pas devoir là. Montre-toi, je te vois pas. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. Abusé comment c'est beau par contre. Oh non, je suis bloqué. C'est magnifique. Hein. Regardez ça. What the fuck? Il est passé où? Ouais, d'accord. Moi, j'ai jamais vu des biches qui marchent sur l'eau, hein, quand même. Je sais pas où, mais. Par chez moi, il n'y a pas de ça. Il y en a encore une là-bas. Ah, regardez. Je suis dans le champ, là. Ah, de haut, on la voyait, mais là, on la voit plus. Mince.
Je l'ai vu, elle était par là. Petit, 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 petit. Où es-tu? Petit, petit, petit. Ah, je sais pas. Moi, toi, t'as fini, pépère? C'est bien. Aïe, oh, 3. Waouh, magnifique. Ouais, j'arrête. C'est chiant, on peut pas s'approcher pour les voir plus en détail. Ce serait bien de voir la texture de la peau et tout, ça serait beau, ça serait cool quoi. Bon, là l'ouvrier il a fini son petit champ et nous on va donner à manger à nos petites popoles. Alors je sais pas, ça se trouve, bon, je devrais avoir assez je pense, dans ma benne, normalement. C'est tout. Vous avez pas grand faim quand même, hein, mes petites poulettes. Hein. Oh, c'est un réel plaisir par contre. De enfin pouvoir jouer sur le FS22, c'est bon. Depuis 3 ans que le 19 est sorti. On passe enfin à un niveau supérieur qui a été bien bien amélioré quand même. Avec beaucoup plus de matériel. Puis même graphiquement, ça n'a rien à voir. Et avec des ouvriers, bah, pour l'instant, qui bossent à merveille. C'est-il pas beau ça? Pourquoi tu décharges pas? Ah, attends, c'est peut-être à cette heure, j'avais un truc. Ah, c'est peut-être ça. Dans telle heure, j'ai vu un truc dans les paramètres. Non, c'était là. Limite de remplissage de remorque. Ouais, mais oui. Non. Les remorques ne peuvent être remplies plus qu'un poids maximal indiqué. Ah, oui, mais ça sert à rien en fait. Ah bon, on pouvait faire ça par contre? Déplier la buse et... Oh, c'est chiant par contre. Ils ont abusé là-dessus. Avant, on pouvait, on n'avait pas besoin de se mettre dans la moissonneuse pour la vider. Ouais, ils sont pas cool là-dessus, ils ont changé. Oh, c'est pas rapide, hein, mon capitaine, hein. On a 20 km heure. Je sais pas si elle est cool comme ça dans le bâtiment. Si elle est cool, on pourrait revendre par contre le. Ah, pour la. Le support. Bah, pas le support, mais. La remorque à barre de coupe. Ah, je suis mal parti là, j'ai l'impression. Ouais. Je suis mal parti, mais ça passe. Donc ça, c'est très très bien. Ça, on va gagner un peu d'argent. Comme pour l'instant, on va pas racheter de champ. Par contre, on va vider notre remorque. Puis je crois que ça sera pas mal pour aujourd'hui. Après, dans le prochain épisode, bah déjà, on va continuer notre petit champ de blé. On va ramasser, on va aller le vendre. Je sais pas combien d'épisodes il y aura par semaine. On n'aura pas plusieurs par jour, ça c'est sûr. Je vais pas pouvoir suivre derrière. Mais je sais pas. On verra au fil du temps si vraiment ça vous plaît. On essaiera d'en mettre un peu plus par semaine. Si on peut passer, là je sais pas. On peut peut-être pouvoir en mettre au moins 2 par semaine. Après, on peut accélérer les choses en mettre un peu plus. Hein. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez que je montre. Ou ce que vous en pensez. Et laissez un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!